designer, je travaille essentiellement dans les équipes digitales, donc je conçois toutes les interfaces, sites internet, applications, tout ce qui a vocation à finalité écran. En fait, à l'origine, je suis issu du domaine de l'architecture, mais ça ne me plaisait pas, donc je suis reconverti avec une MANA, mes animaux en art appliqué, s'en suit après un BTS en communication visuelle au sur multimédia, et après j'ai enchaîné sur une licence et un master en design graphique à l'école Intuit Lab Paris. Je pense qu'il faut être curieux, mais ça je pense que c'est commun un peu à tous les designers. Par contre, ce qui va faire la particularité, c'est que nous on va aimer l'animation, on va aimer ce qui bouge, donner vie un petit peu aux créations, voir comment elles peuvent évoluer dans le temps et dans l'espace. On va dire généraliser dans le sens où maintenant on peut être designer à la fois digital et print. On peut être plus 360 qu'avant. C'est l'animation, de donner vie en fait au créage que je fais. Partage, portée, portance, contrainte. Je lui conseille d'être curieux, je lui conseille de travailler par soi-même. Je pense que si on veut faire correctement un truc en digital, il faut commencer par s'intéresser à d'autres choses et essayer de les transposer après dans notre métier. Je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à un résultat qualitatif, et puis ouais, il faut s'intéresser et être autodidacte.